Donc, je vous explique très rapidement. En fait, on va plus insister donc sur la présentation du match, sur ce match donc du huitième de finale, que sur la position tactique, parce que ça, c'est des choses qu'on a travaillées, donc ça doit être des choses acquises normalement. On va le répéter, d'accord, mais ça doit être acquis complètement. Donc, en fait, par rapport à ce que je vous ai cité un tout petit peu au-dessus, là, la grandeur du football et avant tout d'unir les hommes vers un même objectif. C'est tout simplement, c'est que match de 8e, jamais une équipe senior du club donc, a réussi à passer ce cap des 8e. Ça veut dire tout simplement, il faut qu'on s'unisse tous, joueurs, entraîneurs, dirigeants, donc, vers cet objectif donc, qui est de passer. D'accord. Donc ça va être important. Ça va être important de montrer qu'on a tous envie de passer ce cap, d'accord, de s'unir au niveau des tâches respectives. Ça veut dire que le lien défensif, le lien offensif, il faut vraiment qu'il y ait un bloc équipe, d'accord. Donc ça, c'est important d'être bien unis. Et c'est important, par contre, de montrer nos valeurs, ok. Ça veut dire que l'important, si on veut unir un peu tout le monde autour de l'équipe, et ce qui est tout à fait normal, il faut qu'il y ait de la détermination, il faut qu'il y ait énormément d'envie, et il faut qu'il y ait... qu'on propose du jeu. Voilà les trois paramètres un peu qui sont importants cet après-midi. C'est que, tout simplement, moi je suis spectateur, parce que on ne peut pas dire, entre parenthèses, que il y a des supporters, il y en a très peu. Si on veut unir les gens avec nous pour faire un gros match, et que ce gros match soit une belle fête, et qu'on ait l'envie de passer un quart de finale, il faut ces choses-là. Ça veut dire que s'il n'y a pas de détermination dans ce que vous faites, ok, s'il n'y a pas de détermination, les gens ne vont pas être derrière nous. Ça, c'est clair. D'accord. Ça, c'est net. Il faut qu'on montre qu'on a envie de passer. Il faut qu'on montre de la détermination. Il faut qu'on montre de l'envie. D'accord. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça veut dire que si on veut unir un maximum de jeunes avec nous, il faut déjà que nous, sur le terrain, on montre du respect. D'accord. Et ça, c'est la chose la plus importante. Ok. C'est bien compris. Donc, ça veut dire que... c'est ce que je vous expliquais un tout petit peu dans la semaine. Il faut qu'à partir de 2h30, on soit dans sa bulle, qu'on soit bien concentré par rapport à cet objectif donc de passer. Mais il faut surtout qu'on ait l'envie et la détermination qui va avec. Si on n'a pas cette détermination en 8e de finale d'aller passer un tour supplémentaire, c'est qu'on n'a rien à faire sur un terrain de football. D'accord. Donc voilà le message important, c'est que ça, en Coupe de l'Homme, c'est le plus important. D'accord. Ça, c'est la première chose qui est le plus importante. Ça veut dire qu'il faut absolument que, quand vous rentriez sur le terrain, vous ayez qu'une seule envie aujourd'hui, c'est d'abord de vous défoncer. Ok. D'abord de vous défoncer. Après, s'il y aura plus le positionnement tactique, il y aura plus le respect de l'organisation, mais la première envie que je veux voir aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que celui qui ne rentre pas là-dedans, il n'est pas apte pour jouer plus haut, il n'est pas apte pour jouer donc un quart de finale de Coupe de l'Inde. D'accord. Donc ça, c'est important. Ça rentre dans la partie des choses. D'accord. Cette détermination rentre dans la partie des choses. La deuxième chose qui est importante, c'est que, toujours avec ce même mot, c'est que si on ne donne pas, ok, si on ne donne pas, si on ne propose pas quelque chose, obligatoirement, on n'a pas la récompense au bout. D'accord. Peu importe la division de l'équipe que l'on rencontre, peu importe, je dirais, le club que l'on peut le rencontrer, on s'est trouvé dans le même cas, il y a un mois et demi de ça, contre Déol, où on était l'outsider. Si on ne s'en donne pas les moyens, on n'est pas récompensé. D'accord. Donc ça doit être une image forte, ça doit être quelque chose de très fort en vous. Ça veut dire que la Coupe de l'Inde, c'est un match d'hommes, c'est une préparation d'hommes, d'accord, avec des objectifs bien précis au niveau du jeu. Mais avant tout, voilà, il faut que ces trois choses-là, détermination, donner à 100% de ses moyens, d'accord, pour avoir au bout du compte une récompense. Et la récompense, c'est de passer en quart de finale. D'accord. Donc de rentrer dans l'histoire du club. Et ça, c'est important. Ok. C'est important. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. Ça fait 20 ans qu'on fait quelques week-ends. On n'en a pas fait énormément.
Mais à chaque fois, voilà, on a été stoppé parce que bah, il nous a toujours manqué quelque chose et je pense qu'il nous a manqué ça. D'accord? Et ça. Donc ça, c'est important. Ok? Ça, c'est important. Une chose importante, en plus. Surtout, prendre du plaisir. D'accord? Ça veut dire que même si c'est un match en jeu, l'enjeu ne doit pas prendre de la place sur le jeu. Ok? Il faut qu'on prenne un maximum de plaisir, il faut qu'on se fasse plaisir sur le terrain. Il faut, comme je vous l'ai toujours dit, la course appartient aux joueurs avant tout. Donc il faut prendre un maximum de plaisir. Jouez. Prenez du plaisir. À chaque fois que vous allez prendre du plaisir, vous allez donner du plaisir. D'accord? Plus vous allez prendre du plaisir sur le terrain, plus vous allez en donner aux gens et plus vous aurez les gens derrière vous. D'accord? Ok? Donc c'est ça. C'est ça qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'on respecte le jeu, il faut qu'on respecte l'organisation, mais surtout que, voilà, on vient sur un terrain avant tout pour se faire plaisir. Ok? Avant tout pour se faire plaisir. Prendre du plaisir, c'est en donner aux autres. D'accord? Ok? Et ça, c'est important. Moi, je pense que on a tous l'envie, on a tous la même passion. D'accord? Ça, c'est clair. Maintenant, il faut qu'on ait envie de se faire plaisir. On en jouera peut-être, enfin, vous en jouerez peut-être une fois tous les, allez, 4, 5 ans, 6 ans. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a la chance de jouer un huitième de finale, on a la chance de pouvoir accéder à un quart de finale, qui est quelque chose qui change complètement donc la donne, ok? Il faut se faire plaisir. On n'a pas à avoir de regrets, d'accord? Et ça, c'est la chose la plus importante. Ne pas avoir de regrets. Donc, ça veut dire prendre un maximum de plaisir sur tout ce que vous allez faire, sur toutes les sensations de jeu, sur tout le respect de l'organisation, sur tout ce que vous allez pouvoir techniquement tenter. Prenez du plaisir, d'accord? Ça, c'est la chose la plus importante. Après, ok, on doit avoir un résultat pour que ça continue à lancer la saison, mais voilà, ça passera par ces choses-là. Si on ne donne pas, si on ne se fait pas plaisir sur le terrain, on ne méritera peut-être pas de passer, d'accord? Ok? Il ne faudra pas avoir de regrets. Il ne faudra pas avoir de regrets. Donc, il faudra proposer, il faudra jouer, il faudra prendre des risques aussi. Parce que c'est important, tout en respectant l'organisation, mais ça je vais y revenir, mais savourez chaque moment que vous allez passer sur le terrain. D'accord? Ok? Ça c'est important. Moi le seul regret que je pourrais avoir en tant que joueur, il y a eu la montée en ligue, il y a eu des choses formidables. Maintenant, à chaque fois que la Coupe de l'Inde est arrivée, on s'est tout le temps planté. Parce qu'on s'est mis tellement de pression et on a passé le cap du jeu, on a pris plus l'enjeu que le jeu, et on a eu des regrets. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas de ça. Je veux pas de ça. En respectant l'adversaire, en respectant les gens, d'accord, qui vont être autour du terrain, en respectant l'organisation, en respectant obligatoirement les arbitres, mais ça, je n'aurais pas trop à le dire, je veux avant tout que vous preniez du plaisir. Plus vous allez en prendre sur le terrain aujourd'hui, plus on aura des chances de passer. D'accord? Ok? Est-ce que c'est compris ça, hein? Au niveau de la présentation du match, au niveau de l'organisation, voilà ce qui est le plus important. D'accord? C'est que prise de plaisir, donner égale récompense. Ok? Si ce soir on veut avoir la chance de jouer un quart de finale dans 15 jours, il faut qu'on mette ces ingrédients avec nous. Ok? Voilà, tout simplement. Ok? Est-ce que ça c'est compris déjà, hein? Après le positionnement.